Are you the one I've been waiting for? You might be. I hope so. It's been so many cycles since I was her. Do I even still remember Hope? I wasn't sure you'd ever turn up. The odds just kept getting longer. I guess I've been losing faith. While they've been gaining power. Everything depends on your survival. Master this world. Make allies of its many creatures. Grow your strength and skill. Explore this place like I did so long ago. Put the pieces together and find me, Survivor. You may be the only one who can. Ark Survival Ascended. Un jeu de survie sur une île remplie de dinosaures qui veulent globalement tout le temps ta peau, hein, bien sûr. L'objectif de cette aventure va être de tenter d'affronter les différents boss du jeu, à savoir pour commencer la Broodmother, une énorme araignée qui pond des petites araignées pour venir te grêler. Le Megapitech, un énorme singe complètement enragé qui te jette des rochers sur la gueule tout en appelant d'autres singes. Et pour terminer, on a le dragon, un boss sorti tout droit des enfers qui va venir te cracher des flammes à la gueule, ainsi qu'appeler toutes les créatures volantes possibles et imaginables sur la gueule. On a pu apercevoir dans la cinématique du début une femme qui demande notre aide en affrontant les dangers de l'île. Et bah ça va être notre objectif. Pour cela, on va devoir explorer l'île et apprivoiser différentes créatures, ainsi que trouver et explorer des grottes pour pouvoir en apprendre plus sur cette histoire et la femme qui nous parlait au début. Allez, sur ce, j'en dis pas plus et c'est parti! Allez là, c'est parti. Putain, j'adore ce jeu. Vraiment, un jeu de survie rempli de dinos, ça j'adore. Hein. Ça serait bien quand même pour commencer que je puisse aller apprivoiser un petit par hasard. Vraiment pour commencer, c'est sympa, hein. Ça permet de se déplacer. Ouais, je pense que je vais faire ça au début là. Je pense qu'on va bouger un peu de la zone. Parce que c'est un peu la zone de bassin. Enfin, mais au passage quand même. On monte en bas bâtard. Voilà, régalement. Voilà. On va décaler, on va nager par là, je pense. Ça c'est vraiment la zone de base. On va aller dans la zone de base. On va essayer de trouver un spot un peu sympa quand même. Sans se faire graille par des putains de requins là. Et gros, je suis pas bien quoi. À chaque fois que je nage dans l'eau là, tout moment tu te fais attraper la cheville par un mégalodon là. Allez, oh là là. Salut toi. Hein. Sympa ça, hein. J'aime beaucoup ça. Hein. Montrer le jeu là. Ce sera pas pour tout de suite ça. Hein. Ça j'aimerais bien l'apprivoiser ça mais. On va clairement attendre. Là, je vois qu'il y a... je vois un garde-manger ici. Hein. Je vois un garde-manger. Putain, c'est où là, ça a du mal un peu à charger. Hop. Et j'apprends lance et hache. Hein, les outils vraiment de base hein, pour commencer. La lance pour chasser. Hein, même si les dodos. Là, je récolte un peu de ressources. Qu'est-ce qu'il me faut là du coup pour mes ressources là? Du branchage. Il faut juste deux. Parfait. La pioche. Et attends, mais t'inquiète bouffe là, c'est incroyable là. Je vais me poser là-bas là. Je pense que c'est sympa de se poser là-bas. Ah, attends, oui, tu vas y passer. Oui, tu vas y passer. Bouge pas. Hein. Laisse-moi juste me faire de quoi des outils de base là. Et je vais littéralement décimer toute ta famille. Dans la joie et la bonne humeur, évidemment. Faut pas oublier les bases de la politesse. On va gentiment se présenter avec une lance dans les mains. Alors, j'aimerais d'abord faire une hache. Et oh là là. Et gros, qu'est-ce qui m'a fait peur avec sa tête, lui? Eh gros, hein. Ta tête, tu l'auras plus sur les épaules, mon gars. Fais gaffe, hein. Fais gaffe à toi, mon gars. J'ai monté de niveau. Parfait, dans le poids. Faut être comment? Parce que je m'apprête à cuire toute cette joyeuse belle famille. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire une lance? Du bois. J'ai assez de fibres, j'ai assez de silex, il me faut juste du bois, c'est parfait. Comme ça en plus je pourrais avoir de la peau. Avec cette peau je vais pouvoir me faire un petit lit. Un petit lit qui va pouvoir me paraître de réapparaître, hein, parce que bon, je pense que je vais canner un nombre assez incroyable quand même. Entre les dinos, les morts de merde. Bon, vous êtes pas prêts, hein, vous êtes vraiment pas prêts. 4 lances, c'est parfait. On va commencer par temps. Ah, toi t'es chiant, temps. Lui il vole les objets, hein. Très chiant. J'ai bien évité de perdre tout mon stuff là. Viens là mon chenapan. Oh oui le one shot hein. Sa tête est pas chère en arrière.
Allez, c'est parti le carnage. Allez, suivant. Toi. Voilà. Voilà. Allez, toute la famille passe. Suivant. Attends, toi, tu veux quoi, toi? J'arrive pas à le lire. Poisson supérieur. Ah, allez, va te faire foutre. Hein. Poisson supérieur, ça y est, déjà de... Ça y est, c'est un putain de prince, lui. Hein. Oh, il attend qu'un coup de plus que ses congénères. Moi, je porte pas mon rêve qui va finir dans mon estomac, quand même. Ça ne change rien. Viens là, voilà. Encore une fois. Ireski. Ah, viens là, mon gars. Viens là, mon gars, je t'entends bien. Viens voir papa. Hop là. Allez, donc, crame-toi. Il est mignon. Il pensait vraiment s'échapper. Hein. C'est, tu t'échappes pas. Hein. C'est, tu cannes. Je crois que je m'invente. Hein. Je me fais des films, je crois. Hein. Je croyais qu'il en reste un dernier. Bon, c'est pas grave. En vrai, c'est pas mal. Là. J'ai combien là? 45 de peau. On va prendre les fondations, le mur, le toit. La porte aussi, quand même, c'est pas mal. On va prendre des chaussures, c'est quand même manière. Hop. Voilà. J'ai appris les chaussures. Maintenant, qu'est-ce que je peux fabriquer? Je peux fabriquer une chemise en tissu. Histoire de s'habiller. Parce que Miskin, là, je suis en caleçon, là, c'est chiant. Je me tâte à le fumer, bien vrai. Parce que je pense qu'il donne de la peau, mais je crois qu'il cavale un peu vite, lui. Viens là, on va tester. Hein. Hop, ouais. 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 Bon, ça va, il court pas du tout vite en fait. Ah oui. Ah, tu cours. Hein. Tu cours, ça ne sert à rien en gros. Ouais. Je crois qu'il va me donner pas mal de coups. Hein. 23, ouais, 27, 29, ça, et 35 de peau, je suis royal. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui flotte là? C'est. J'ai vu un aileron là. Hein. Mais. Et pas un truc qui dépassait là, mais je me fais des films. Hein. Je me fais beaucoup de films. Hein. Ah voilà, j'ai trouvé la première monture, le petit par hasard. Juste ici. En plus il est jaune, lui j'aime bien là. Un peu flashy, c'était marque des autres, j'apprécie ça. Il vaut combien? 24. Et lui, par ton niveau 3. Un peu faible quand même. En fait j'ai peur que le niveau 24 il me demande beaucoup de ressources. Parce que ça va être chiant ça. Hein. C'est clairement chiant. Et j'ai monté quoi là comme stat hein? Le poil. Qu'est-ce que je peux m'apprendre sachant que la selle du par hasard est juste ici? Je pense que je vais me faire ma maison d'abord. Je vais me poser là, là. Oui, ça va l'air pas mal ça. Hein. Alors attends, je vais déjà regarder ce qu'il me faut comme ressources. Du bois. Ok, bah, en vrai ça va. Hein. Bah, c'est parti, je vais déforester la putain de zone. Faut plus de branchage que de bois, je crois, par contre. Je vois, la zone va disparaître. Je vais rester un seul pep de bois ici. L'industrialisation, parce que toute cette forêt là elle va dégager aussi. Hein. Donc, il va falloir que je fasse un petit enclos aussi, là, quand même, pour pouvoir mettre les dinos. Les entreposer là, comme des putains de véhicules. Est-ce que j'ai assez là? J'ai combien? J'ai 29 de bois, 220 de branchage. Bah, c'est parfait! Faire un peu de bois et je pense que sur le chemin pour aller là-haut, je vais récupérer les fibres. Genre ici par exemple. Voilà, beaucoup de fibres, beaucoup de baies. Ce qui va être important pour apprivoiser le par hasard. Attends, j'ai entendu un garde-manger. Voilà. Bah ouais, ça m'a l'air pas mal cette petite zone là. C'est tout beau. Bord de mer, on va entendre les mouettes. Il y a des putains de ptera là, c'est pas mal ça, ça me plaît. Je pense, ouais, je vais me mettre là. Hein. Je vais me mettre là au bord, je pense. Ok. Oh là, il m'a fait peur lui. Hein. Il m'a fait très très peur. Hein. J'ai cru que c'était un dino. Ah, encore un garde-manger. Hein. J'entends aussi autre chose. Ça, c'est pas un garde-manger, ça. Esquive. Ah bah, il est juste mort. Parfait. Dans ma tapo. Est-ce que je sais pas où je me mets. J'ai pas envie d'être gigalant. Genre, ça va être chiant à chaque fois, là, si je dois aller jusqu'au bout, là, pour rentrer chez moi. Ici, c'est pas mal aussi, hein. Mais je vois qu'il y a beaucoup de piafs, là. Ça, c'est les piafs qui volent tes objets. Vers ce côté-là. Ça va être plus sympa, plus accueillant. Je vais aller là, parce que là, on verra plus la mer au loin. En tout cas, c'est une petite rivière, c'est sympa, hein, mais il y a une vue qui, je pense, est bien mieux. Petit champ des mouettes. Allez, on va pour ici. Alors, je vais me mettre là, juste ici. Ouais, juste là, c'est parti. 8 fondations? J'ai peut-être pas 8, hein. Hop, je monte de niveau, c'est parfait. Ça va mettre dans le poids pour porter encore plus lourd. Je vais apprendre le lit. Lui qui me permet de pouvoir réapparaître si jamais je canne. Donc, extrêmement important. Je vais faire du 2x3 pour commencer. Hein. Qui va clairement être amélioré hein, par la suite. En vrai, c'est bien là avec l'arbre, c'est parfait. Oh,
Voilà, mais pourquoi j'ai une voix de... une voix de femme. Un peu plus... Ah, mais attends, non. Parce que l'arbre, il va gêner, là. Hein? Bah, il est passé où, le... MDR, il s'est mis... Bah, FF. Je peux plus le récupérer, là. Oh, non. Attends, faire, là, je peux vraiment pas te récupérer. Ah, si. J'ai eu peur. Il est parti mettre une fondation dans le sol, quand même. 4 murs, ça m'a l'air pas assez. Clairement pas assez. Qu'est-ce qu'il va me falloir pour faire des murs? Du bois. Du bois et des fibres. Parce que j'aurai assez de branchages. Du bois. Voilà, tire la rigoute partout. Alors, toi, t'es le premier. Voilà. Oh là, j'ai pas vu, je vais canner. Aïe, 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 ma soif. Juste ici, je suis en déshydratation. Ça, c'est ma jauge d'inconscience. Parce que du coup, vu que j'ai soif, mon perso est pas bien. Du coup, ma jauge de torpeur, juste ici, augmente. Bon, au final, le jeu a crash, du coup, hein, bien évidemment. Donc, j'ai dû tout recommencer depuis le début. J'ai dû me give certains trucs. Parce que bon, bien évidemment, ça m'a tout supprimé. Et j'ai dû tout recommencer. Bon, le jeu a crash, hein. Du coup, j'ai dû me give, hein, malheureusement. Parce que bon, des crashs, j'en ai en permanence sur ce putain de jeu. En plus, ça crash, ça te supprime ce que t'as fait. Mais par contre, ton perso, il reste. Donc, c'est vraiment en mode, allez, hein, vas-y, mon grand. Recommence vite, fais ce que t'as fait, là. Donc, très chiant. Donc, ouais, j'ai dû me regive, hein, au moins juste ça, là. Tu me regive aussi également la peau que j'avais farmée, parce que j'avais farmé de la peau. Quand même, faut pas se foutre de ma gueule. Et c'est tout ce que j'ai fait. On y retourne, en espérant que cette fois ça ne crache pas. Et je vais du coup recommencer à farmer tout le bois là. Continuer à faire cette petite maison. J'ai toujours pas assez pour apprendre celle ni la bolasse. Très chiant, très chiant. Ouais, le frérot juste ici là. Il va me faire chier dès que je vais vouloir faire ma base. Alors, mur. On va en faire 4. C'était là où je m'étais arrêté en plus tout à l'heure là, donc bon, tant mieux. Homestead. Donc ici, petite porte. Ici, on va mettre une petite fenêtre là pour une vue sur la mer. Ah, et comme tout à l'heure, bien évidemment, je suis assoiffé là, c'est chiant. Est-ce que je peux sauter là? Je vais sauter, hein. Voilà. Voilà. Ah non, c'est des fibres, je crois que c'est juste. Je sais pas ce qui m'a donné les fibres là. Mais c'est ça? Ah mais c'est les algues! Putain, mais ça donne des fibres ça! Est-ce que je peux me faire une... Non. Parce qu'il me faut du silex, bien évidemment. J'ai tout perdu. Je peux pas en faire plus? Ah bah oui, parce que c'est du bois qui me manque, hein, forcément. Qu'est-ce qu'il me faut pour refaire un mur? Bien évidemment, du putain de branchage. Non, pas avec le point. Voilà. Pioche pour avoir du branchage sur les arbres et hache pour avoir du bois. Pareil pour les créatures, hein. Créatures, c'est... Avec la hache, on a de la peau, la pioche, on a de la viande. Voilà, encore un petit garde-manger. Hein. Putain, mais du coup, j'ai perdu toute la viande que j'avais, bah oui. Allez. On accélère un coup. Je finis cette maison, là. Et après, je pense que je vais passer au nom où j'apprivoise, hein. Il est l'heure. D'ailleurs, pour ça, il va me falloir le lance-pierre, bien évidemment. Assommer la créature. Allez, je fais les murs. Attends, mais c'est déplacé jusqu'à... Tu bouges vite, mon frère. Hein. T'es chiant, là. Hein. Il va venir écraser ma pauvre maison, là, en branchage, là. La selle et bolas. Voilà, très important. Bon, la maison est faite. Enfin, quand je dis maison, c'est vraiment la maison de l'ermite au fond du jardin, là. T'as pas envie de l'avoir. Bon, je suis protégé. Je me sens bien ici. Je me sens bien. Petite vue sur la mer là, faut pas déconner quand même. Alors, du coup, maintenant que j'ai débloqué la selle ainsi que les bolas, je vais me faire la selle. Parfait, je peux faire le bolas, parfait, je peux faire le lance-pierre. Mais c'est incroyable. Il va juste me falloir de la pierre pour le lance-pierre évidemment. Et je pourrais apprivoiser le parasaur. Alors attends, parce que du coup j'en avais repéré un qui était... Bah il est là, je sais pas si c'est le même. 30, 30 pierres, ça devrait largement suffire pour l'assommer. Alors t'as niveau combien toi? 26. Eh ben, prépare-toi. Ah, est-ce que j'ai assez pour l'apprivoiser au moins? Oui, c'est bon, j'ai assez de baies. C'est un herbivore. Il lui faut des baies. Hop, une petite bolasse. En plus, t'es dans un petit creux là. Ouais. Je vais tomber dans les pommes de soif. Voilà, là, ça, au moins je vais temporiser. Parce que si vraiment je tombe dans les pommes au moins je sais de l'apprivoiser, c'est chiant. Voilà, bah ça y est là. Allez, je lui mets des petites baies, comme ça il les graille et je peux l'apprivoiser. Ouais, c'est vrai que c'est une méthode un peu violente quand même. Voilà, niveau 26. C'est parfait.
C'est parfait. Là maintenant, je pense qu'il n'y a pas de menace autour. Il va pas se faire griller par quoi que ce soit, je pense. 8% d'apprivoisement. Allez, je vais boire. Parce que sinon, je vais tomber dans les pommes, c'est chiant. Est-ce que je peux sauter là? Oui, je peux sauter. Ah, poisson. Bon, ça va, il est gentil. Je pense que je devrais faire la gourde aussi. Ça éviterait de faire des plongeons toutes les 2 secondes. En termes de viande, je suis comment là? 6 de viande. Je peux monter de niveau. Qu'est-ce que je vais monter? Qu'est-ce que je vais monter? Bah, je vais monter la viande. Histoire 2. Il y a la gourde juste là, mais ici il y a l'arc. Je pense que l'arc vaut mieux que la gourde, à mon avis. Pour pouvoir se défendre, hein, et pouvoir continuer à récupérer plus de peau sur plus de dinos, que je peux tuer plus facilement du coup. Le frérot. Ah, le frérot est bien là, hein. Il est un peu ensanglanté, mais bon, c'est... Au final, il va devenir mon pote, n'est-ce pas? Les petits yeux fermés là. Voilà, donc les baignoires c'est pour l'endormir, enfin, pour le maintenir endormi plutôt. C'est eux. Bah ouais, vas-y mon frère, hein. Bah, n'hésite pas à marcher dessus. Hein. Vas-y. Hein. Donc, il a fait son popo là. Mais gros, il met ses meilleurs pieds sur mon par hasard là. Vas-y gros, écrase-le, hein. Mets-toi bien mon ref. Gros, t'as pas l'impression de casser les couilles là? Vas-y, hein. Ah, mes frères, c'est son gros panard là. Ouais, t'en es où là? 80%. Ok. Est-ce qu'entre temps, je pourrais pas... Ah, j'ai qu'un point, hein. J'ai pas allé loin avec un point. Qu'est-ce que je peux faire? Ah, mais attends, mais je peux me faire mes habits là. J'ai assez de peau pour me faire les bottes là. Le feu de camp. Bien évidemment, à l'arc, hein, pas déconner. Et que 8 flèches. 3 flèches, pardon, je sais pas compter, au secours. Et bah voilà. Voilà. Allez, hein. Petite référence, ça c'est pour le frérot, ça. Hein. En plus, c'est une femelle. Hein. Vraiment, ouais. Allez, hein. La première monture. Clairement pas la dernière. Loin d'être la dernière, même, parce que t'es moi la gueule du truc. Mais bon. Au moins ça me permettra d'économiser mon endurance, de marcher à pied et de boire toutes les 30 secondes. Là maintenant c'est lui qui va cavaler pour moi. En plus, je peux farmer les bêtes. Voilà. Oh il farme bien en plus. Ah oui c'est pas mal. Il me met très bien. Écoute le frérot, je vais te mettre juste là. Voilà, tu peux admirer l'eau. Tu vas arrêter de me suivre. Toi t'as une belle vue mon gars. En plus t'as des baies là, t'as des buissons, régale-toi. Régale-toi mon ref. Le feu de camp, je le pose. Ah bah, je suis bloqué, c'est ça là? Non, c'est bon. Le feu de camp, je vais le mettre. En vrai, là, c'est pas mal, hein. C'est dès que je cure de la viande, petite vue sur la mer, là, c'est parfait. 5 de viande. Hop. Voilà, ça va faire de la viande cuite. Malheureusement, je pourrais pas faire le lit. Il faut beaucoup de peau. Il faut beaucoup de peau, il faut beaucoup de peau. Je vais farmer un peu de silex pour me faire plus de flèches. Est-ce que je fais le lit maintenant ou pas? Il va falloir que je trouve beaucoup de. Ah bah attends, il y a des par hasard en bas là, je peux me faire les par hasard. Clairement partir, me farcir les par hasard là. Qu'est-ce qui me manque? Branchage. Je suis en train de canner de faim, de soif, y'a rien qui va, personne n'a envie de se foutre en l'air. Allez, j'ai plus de pioche. Rien qui va au score. Toi tu peux dégager, je vais mettre l'arc à la place. 8 flèches. Je pense que ça devrait suffire pour tuer au moins 2-3 créatures. Je vais griller la viande qui est en train de chauffer. Petit plongeon pour aller boire, la classique. Voilà, 3 de steak. Voilà, là on est bien. Et normalement, si je dis pas de conneries en bas, il y avait des par hasard. J'en vois pas. On va quand même sauter, aller boire un coup. Ah, oh, le rocher! Et c'est bon. Moi, j'étais à 2 doigts de m'éclater les chevilles. Hein. Ça a failli être tragique. Bah alors, attends, ils sont. Tu me fais plus jamais peur comme ça, attends. Oui, oui, tu peux crier, hein. Perso, il en peut plus, il gémit là de soif, de faim, de chaud même, je vois, il y a un petit onglet de chaud en bas à droite. Attends, mais il y en avait un tout à l'heure par hasard là. Bon bah je crois que c'est FF, hein, il y aura pas de lit. Je pense qu'il y aura clairement pas de lit. Bon tant pis, c'est pas grave, ça va, c'est déjà pas mal là pour un début. C'est déjà pas mal. Je vais refaire un coup de sauvegarde là, pour éviter que le jeu crache et que je me retrouve sans rien. C'est chiant. Le frérot. Attends, t'es niveau combien toi du coup là? 38. Bah c'est parfait. Il va falloir que je fasse une rampe ici, hein. C'est chiant là, la hauteur. Ah. Oh, oui. Allez, hein, je vise comme un pied. Je pue la merde. Hein. Voilà. Ouais, je incapable de viser un pauvre truc là. Hein. C'est... Oh, il y a un petit bébé. Les bébés, normalement, peut les... Ouais. Voilà. Comment est-ce que je l'appelle? En vrai, j'ai pas eu donné de nom.
On va laisser comme ça, Dilophosaure. Pourquoi je canne? Ah, parce que. Mais, attends, mais je viens de boire. Enfin, j'en fasse un plongeon. Ah, je vais canner de soif, c'est une singerie. J'ai pas des belles à qui me restent là. Si, là. On va augmenter la résistance encore pour résister plus à la soif, au poison. Et pourquoi écrit comme ça, wesh? C'est bon, panique pas, je vais plonger. Ouais. Ces petits pas là, cachés dans la fougère. Si je tente le saut là, je meurs là. Hein. On est d'accord, je canne ici. Hein. Bon, on a qu'une vie. C'est pas possible. Bon, moi l'avantage c'est que je j'arrive plus soif là. Hein. Faut que j'aille jusqu'à là-bas là. Bon, j'y retourne. Bien ne pas me faire. Oh là, aïe, aïe. Vas-y, casse-toi, t'as bien raison. Oh bah il y a un œuf. Si je le prends, il va me chasser lui. Hein. Oh là, il y a de la bouffe partout. Il y a des nuggets. Il y a des nuggets partout. J'ai pas fait gaffe hein, quand j'ai fait mon perso, j'ai pris une voix féminine. Bon ouais, pas grave. 31 degrés en bas à gauche. Il fait un peu chaud, mais bon, pas au point de canner, hein, surtout que t'es vraiment à poil. Hein. Je sais pas si je peux l'avoir là. Je crois que mon corps est un peu haut. Non, ouais, ça devrait le faire là, si je monte là. Oh oui. Ah, ouais, vas-y, ouais. Non. Je récupère tout ça. Bah, ça me fait de la viande, ça. Attends. Je me nourris de moi-même, hein. Cannibale. On a que le dépoiscaille ici, là. Pour lui leur faire un bisou à eux. Je pense que ça suffira. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ok, non, c'est bon, j'ai peur. Hein. Les boucans qu'ils font ici, là. Ah, j'ai déjà plus d'énergie. Mais c'est fou, le perso, je cours 2 secondes, il est soufflé, là. Il a l'endurance d'un fumeur, le bordel. Voilà, je vais briser. Hein. Juste là. Ok. Bon, je. La petite mort, hein, il y a un peu bien des morts. C'est chiant. Voilà. Allez, bah, je pense que c'est tout bon. Et je pense qu'on va continuer la prochaine fois.